dans les mains sur les cocottes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Clermont-Ferrand pour l'étape 2 du Tour de France Femmes à Batesville. J'ai cru que tu allais refaire la blague de Clermont-Ferrand. Et non, c'est bon, j'ai retenu cette fois-ci. Notre invité du jour est Simone Veil. Mais c'est qui cette dame? C'est une icône de la lutte contre les discriminations faites aux femmes. Elle s'est battue pour légaliser l'avortement. Waouh, c'est vraiment une grande dame. Ça, tu l'as dit, Bouffy. Mais hé. Bon, passons à la recette du jour. La tarte à la thon fraîche de Cantabre. Pour cette recette, il vous faudra une pâte sablée, 400 g de thym fraîche de Cantal, 130 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 25 g de farine et 15 centilitres de crème fraîche. Commencez à préchauffer le four à 180 degrés. Et placez la pâte dans le moule. Dans un grand saladier, mélangez la thym, les œufs et le sucre. Ensuite, ajoutez la farine puis la crème fraîche. Versez votre préparation sur la pâte. Cuire votre tarte au four pendant 25 à 30 minutes. Je vous applique à déguster votre tarte froide. On se retrouve demain à Collonges-la-Rouge pour la troisième étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Merci à tous. Bon appétit.